Moi, c'est Anaïs, mon prénom, et je suis metteur en scène, je suis assistante à la mise en scène et je suis prof de théâtre. J'ai commencé tout simplement par une école professionnelle, donc au Sudden Théâtre. J'ai fait une formation de mise en scène, donc au Master Pro Mise en scène et dramaturgie de Nanterre. Et puis l'année dernière, j'ai obtenu mon diplôme de professeur d'état de théâtre. Et j'ai travaillé auprès de Jean-Pierre Vincent à la Comédie Française, j'ai travaillé avec Alexis Michalik à la Pépinière, j'ai travaillé avec Franck Berthier, avec qui je travaille toujours. Je travaille avec Ariane Beaumandil, avec Linda Blanchet, voilà. C'est les metteurs en scène avec qui je travaille en ce moment. Alors pour les textes, je propose toujours deux choses aux élèves chaque année. Soit de faire un montage en fonction d'un thème choisi, souvent je demande par exemple un lieu. Ou bien je dis aux élèves, vous avez aussi le choix d'avoir une pièce complète, mais il faut trouver une pièce où il y a 15 personnages possibles, voire peut-être même plus, par exemple 30 personnages, et puis tel comédien en prend deux rôles, par exemple, ou trois rôles, voire plus si c'est plein de petits rôles. Et je suis assez ouverte sur le type de texte, juste voilà, j'aime bien qu'il y ait des textes avec quelque chose à défendre. Alors moi, ce que j'aime faire dans mes cours, en tout cas en début d'année, c'est de vraiment, on travaille sur la technique toujours en début de cours, donc des échauffements qui sont toujours sportifs et très ludiques. On s'amuse beaucoup au début, je donne beaucoup d'énergie de manière à ce que les élèves soient remplis d'énergie. Je leur demande ensuite de passer donc au texte. Bon, moi, je suis quelqu'un qui travaille vraiment avec le texte. Et on peut travailler tout type de texte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les pousser à être au plus vrai avec le texte. C'est-à-dire à mettre toute leur intériorité au service du texte, à comprendre les enjeux d'un texte, à comprendre le souffle de l'auteur, la parole de l'auteur. Voilà. Donc on va travailler des textes d'auteur. Et ben, une fois qu'on a choisi le texte, moi je vais demander très très rapidement d'apprendre le texte parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple d'arriver, en fait, de commencer avec un texte. Après, vous apportez des idées de musique, vous apportez des idées de décor, vous apportez des idées de costume, et on construit ça ensemble, et voilà, c'est quelque chose qui est assez magique en deuxième partie d'année. Si tu es motivé, si tu as envie de t'investir, si tu as un peu de temps à consacrer au théâtre, viens avec moi parce que c'est tout ce dont j'ai besoin pour t'amener plus loin, pour te faire progresser et puis pour que tu passes une année remplie de plaisir et j'espère de souvenirs.